Ah bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paye, 17 février 2022, 6h44, heure du Québec. Ça ne veut plus que dire grand-chose, jour de paye, hein? Il y a une époque, c'était comme, waouh, jour de paye. Maintenant, c'est parce qu'il te reste tellement plus grand-chose dans les poches, les gouvernements t'en prennent tellement, le coût de la vie est tellement cher, que maintenant, ta paye est plus suffisante. Mais je reviendrai un petit peu plus tard. Pour l'instant, j'espère que tout le monde va bien malgré tout. 6h44, 17 février 2022, les sons apocalyptiques qu'on entend sont toujours là et sont entendus dans le monde entier. Pour ceux qui s'intéressent à ça, moi, j'ai aucune idée de quelle est la nature de ces sons-là. Est-ce qu'ils ont toujours été là? Je ne sais pas. Ça ne fait pas longtemps qu'on en parle. Je ne pense pas qu'ils aient toujours été là ou s'ils ont été là. Il n'y a personne qui les a rapportés ou je ne sais pas. Vous les entendez, vous avez vu des reportages. Les médias en parlent aussi à l'occasion, rapportent les témoignages de citoyens. Donc, ce n'est pas une idée farfelue. C'est pas quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a personne qui est capable de vraiment expliquer ce que c'est. Il y a plusieurs théories. Comme je vous dis, moi, je ne connais absolument rien. Puis c'est un sujet qui m'intéresse comme vous, comme beaucoup de choses m'intéressent parce que on est là dans un endroit commun à vivre des choses simultanément. On a une vie commune, même si on n'est pas conscient de ça. Puis on est tous inquiets, naturellement, parce qu'on est là de ce qui va arriver. Parce qu'on est inquiets d'avoir à vivre une catastrophe, un cataclysme, un événement, une guerre, ou peu importe. Ta vie est forte, est faite d'inquiétude. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, on est tous inquiets de ce qui nous attend. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'on ne parle pas souvent de la mort, hein? Parce qu'on sait que c'est inévitable, puis on ne veut pas y penser, puis on ne veut rien savoir de ça. On y fera face quand elle arrivera, mais on ne veut pas. On a peur, tu sais, on a beaucoup de crainte. C'est normal, ça fait partie de la nature humaine. Puis ces sons-là, souvent, hein, on en parle des fameuses trompettes, hein, de l'Apocalypse. Il y a les Écritures saintes qui sont là. Il y a les anciennes Écritures qui ne sont pas vraiment cataloguées dans des Écritures religieuses qui parlent d'événements, hein, qui parlent de choses. Puis on parle d'il y a plusieurs milliers d'années. Donc, aujourd'hui, encore plus dans le contexte mondial, c'est doublement intéressant et ça éveille en nous, naturellement, toujours le côté sexy, hein, des conspirations, ou parce que c'est beaucoup plus sexy parler de conspiration que de parler de la réalité. Puis c'est aussi fait partie de la nature humaine, tout ça. On a le phénomène des extraterrestres aussi, des ovnis qui est de plus en plus présent, puis avec des pièces vidéo de plus en plus spectaculaire et convaincante. Donc, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description d'une vidéo qui est sur YouTube et qui fait la chronologie de beaucoup de ces événements-là de son un peu partout dans le monde avec vraiment un petit côté spectaculaire. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. Vous irez voir cette vidéo-là qui est très, très comment dire, digne d'Hollywood, mais c'est arrivé, c'est des sons qui ont été enregistrés dans le monde entier. Et Strangeland, l'auteur, un des auteurs j'imagine, des personnes qui est derrière ce site-là, nous dit « Je me demande si c'est la raison pour laquelle les gens commencent à perdre la tête. Nous sommes entourés d'un champ magnétique qui émet constamment un son vibratoire constant. C'est tellement bas que nous ne pouvons pas l'entendre, mais je pense vraiment que cela pourrait être à l'origine de la sensation, hein, qu'on voit d'énervement que le monde semble avoir. Si vous ajoutez à cela les autres conneries, hein, qu'ils font avec le bang dans vos bras et les dessins dans le ciel, on ne sait pas ce qu'ils nous font tous. Restez en sécurité, restez conscient et préparez vous et que Dieu vous bénisse. Je pense que le diable est en jeu. Nous devons juste chercher les réponses maintenant. Si c'est divin, alors la réponse est quelque part
Et avec une telle échelle, elle ne peut pas être gardée secrète plus longtemps. Quelqu'un a-t-il déjà pensé que ces sons pourraient être des entraînements pour quelque chose lié au projet Blue Beam, par exemple? Tu sais, on parle, je vous dis, de la conspiration. Naturellement, quand tu as des événements comme ça, c'est sexy d'aller, et c'est peut-être ça, on ne sait pas. Il y a eu beaucoup de discussions au cours de la dernière année sur la façon dont une invasion extraterrestre pourrait être la prochaine grande menace pour la Terre, et des sons inexplicables du ciel semblent très similaires, qui semblent très similaires aux effets sonores de la guerre cinématographique des mondes, iraient très bien avec cet ordre du jour si vous me posez la question. Donc, je vous laisse ça, c'est fascinant, c'est intriguant, c'est inquiétant. Il n'y a pas d'explication finale à tout ça, hein. Puis on est laissé à pouvoir vaguer avec toutes sortes de théories sur l'origine et le pourquoi de ces sons-là. Donc je vous laisse ça. Vous allez avoir le lien vidéo de la vidéo sur YouTube de cette chaîne qui a fait une compilation de tous ces sons-là. C'est fascinant. Je vous retrouve plus tard.